Marseille pour notre voyage de noces. Mais c'est qui fait le petit bourriquet? Ah, c'est toi. C'est moi. Correct comme ça. C'est moi qui ai plein de bagages. Mais c'est mes bagages. Oui, c'est moi qui ai ton sac. Il est gros notre bateau. Fait voyage longue vie votre amour. C'est Audrey qui nous a payé une bouteille de champagne. Merci Audrey. Wow. Et on en avait une parce qu'on a Auréa. Fait qu'on va être sous à soir. C'est parfait ça. Alors notre balcon. Faudra qu'on étende nos chaises. Ah! Mais gardons ça, le balcon continue. Ben, il y a juste une chaise longue, fait que ça va être la mienne. Oui, c'est fait correct. Gardons ça, le balcon. Oh my God! Ça va, chérie? Je t'entends pas, t'es trop loin. Oh my God! Attends, tiens, je vais la tenir. Et là. Hein? Fait que, notre croisière pour notre voyage de noces. Je t'aime. La vie des gens riches et célèbres commence. On est juste célèbres. Du matin, on vient d'arriver à Gênes en Italie, petite ville côtière, c'est magnifique. On voit les maisons dans la montagne, oh, c'est magnifique. Ce qui est cool avec un balcon arrière, c'est que souvent les bateaux se parquent de reculons. Fait que, on est stationné à Gênes, puis ça c'est notre vue. Gênes en Italie à date, là. On t'aime. On a vécu une expérience culinaire incroyable tantôt. Et là, on est à Bocca. Je me rappelle plus quoi. Hein, chérie? C'est beau, hein?
Première journée, première escale à Gênes en Italie. Ça vient de se terminer. Magnifique journée. On s'est promené, on a marché, on a visité, on a mangé des pâtes au pesto. Incroyable. Et ça se termine où, chérie? Sur le balcon. Hein? T'aimes ça avoir un balcon sur un bateau de croisière, chérie? Incroyable. Ça prend ça, hein? Ouais. Pourquoi à la piscine quand on a notre propre balcon? On ne sait pas où. On a franchi une porte de métal. On l'a poussée. Ça a ouvert. Ça a fait... Et on est dans un espèce de parc. C'est la Villa Malfitano. Villa Malfitano. On n'a pas trouvé la villa encore. Puis on est tout seul. Sérieux? Là, on espère juste qu'au retour, que la barrière soit pas barrée. Parce que si on ferme la barrière, on est un peu foutu. Mais bon. Et peut-être qu'on va trouver quelque chose de magnifique. Peut-être pas. Parce que là, c'est un petit peu magané. C'est comme laissé à l'abandon. Ouais. En fait, c'est comme Palerme depuis qu'on est arrivé. Ce qui me rend triste de Palerme, c'est que... My God! Ramassez-vous les Palermois. Je sais pas comment on dit ça. Sérieux, on est où? C'est vraiment triste. Je sais pas ce qui se passe à Palerme. Je sais pas s'il y a une grève quelconque. Mais il y a rien qui est entretenu. Il y a des bouteilles partout. Le gazon n'a pas été tondu depuis je ne sais pas combien de temps. Puis là... Tout est laissé comme abandon. C'est triste. Ça ici, j'imagine, ça devait être magnifique avec les fontaines. Mais là, malheureusement, ce que c'est ça. Ça fait longtemps que ça marche pas. Parce que alors, ça fait un méchant bout que c'est plus actif, cette affaire-là. Wow. Triste. On est sur le toit de la cathédrale de Palerme. Ouf! Je suis fatigué. Ah, c'est magnifique. Que tu as bien mangé, chérie? Ah, c'était excellent. Pizza de la Sicile. Fait que, bonne nouvelle, on réalise que tantôt, quand on disait que c'était pas beau, ben c'est vrai que c'était pas beau, c'est vrai que c'était pas propre. Mais on était probablement dans un quartier pas touristique. On n'aurait peut-être pas dû aller, mais on... Finalement, on n'avait pas d'affaire, là. Mais bon, on a vu le quartier où on n'avait pas d'affaire. Là, on est dans le quartier touristique. Et finalement, je suis content qu'on ait fait le quartier pas touristique. Mais là, malheureusement, quand tu arrives dans le quartier touristique, qu'est-ce que tu trouves? Une ficelle coccinelle. Des hosties d'affaires de coccinelle. Il y a même ça à Paris, en ficelle. Ah! Ah! T'es-tu content, chérie? Ah! OK, on fait la petite rue, on s'en va. Je la connais pas. J'ai fait la journée des deux vendeuses. Les deux filles, je comprends pas l'italien, mais j'ai compris crise de folle.
J'étais heureux, c'est ça qu'ils ont dit. Ah, sérieux, je suis pas. OK. Fait qu'on peut-tu arrêter la vidéo? Oh, regarde. Ah, shit, on vient pas de trouver les coccinelles. Est-ce que tu es prête pour ton... Comment j'ai calculé ça tantôt? 41 heures, 24, plus 6, 30, plus... On arrive à 10 heures. 11 heures, le matin. 41 heures en mer. Tu sais qu'on dirait que j'ai... On dirait que j'ai un coup de footballeur. Moi, on dirait que je suis mort, mort, mort. On dirait que je suis bâti comme un footballeur. Mais de 82 ans. 41 heures en mer. Let's go. Fait que cet étage-là est réservé à nous. La blonde a l'air bien. Ouais. La grosse paix. Sur le MSC Seashore. Oh yeah! Alors, on est à Ibiza. Et on est dans la vieille ville. Et on s'en va en direction de la cathédrale. Qui est en haut, en haut, en haut, en haut. Je trouve que t'as un look Ibiza. Hein? Ouais. Elle a un look bizarre. Moi, j'ai un look américain. Hey, bizarre. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Mi volo sul mondo. Nello spazio, un bacio in slow motion su set. C'est magnifique le vieux Ibiza. Mais t'es que dans les contrées. Soit tu montes ou soit tu descends. Puis là, ben, ma blonde ne veut plus monter. Ah, oh, regarde comme c'est beau. Tu veux monter? Tu veux monter, chérie? Non. Non. L'attention è sale, mi basta un tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo più e te. Siamo adesso, noto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Che un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set. Tes impressions d'Ibiza, chérie?
magnifique. On boit à Ibiza. Ibiza, on t'aime. On boit à la vie. À la vie et à Ibiza. Ouais. Qu'est-ce que tu de belle place? Hein, chérie? Belle place. Ouais. Ouais, es-tu bien? Un peu, oui. On voit pas ta belle face à cause de ta coupe. Baisse ton bras. Ah, regarde ça, c'est joli. Regarde ça, c'est joli. C'est ma petite femme. Tu veux ça assez filmé? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est notre vue. Il y a quelques bateaux pauvres. On a voulu faire un offre, mais ça a l'air que 100$ c'était passé. Allez. Tu veux ça assez parler, chérie? Enfin, mes maillots. Ça, c'est le moment triste d'une croisière quand tu dois refaire tes bagages. Mais madame en profite quand même. Est-ce que vous êtes triste de quitter? Quand même. Quand même? Oui. Mais vous êtes bien quand même? Aix-en-Provence. On fait un petit tour de carrousel. Ouais. On est les deux seuls adultes. Il n'y a que nous d'adultes. OK. Ça brosse à Aix. Il n'y a pas de petite musique. Est-ce que tu crois qu'on va réussir à dépasser l'avion? Non. Non. On va pas réussir. Est-ce que tu l'aimes ton cheval? Ton cheval est surpris. Le mien, il veut s'en aller. Il est petit ton cheval, toi? Ben moi, j'ai un petit cheval pour moi. T'as un petit cheval. Ton cheval n'a pas de queue. Mon cheval n'a pas de queue? Non, ton cheval n'a pas de queue. J'ai un cheval pas de queue. Fait que là, selon mes calculs, on était à Aix il y a quelques minutes. Là, on est à Aix. Tourner en rond. C'est ce qu'on appelle tourner en rond. Salut chérie. De la gare TGV Aix en Provence. Notre petit studio parisien, avec ma femme.
Est-ce qu'on va être bien séché? On va être très bien. Petite cuisine. On a un petit balcon qu'on va pas vraiment utiliser, mais on pourrait. Il fait pas chaud. Ouais, il fait moins chaud à Paris que... Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a ici la toilette et la douche. Et finalement, bon, la laveuse sécheuse là, là. Et en haut. Ta, 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 ta. Et en haut, il y a la chambre. Voilà. On est où, chérie? On est aux Champs-Élysées, comme dans la chanson. Champs-Élysées, ta-la-pa-la-pa-pam. Aux Champs-Élysées, voilà. Il y a du monde en Simonac pour un lundi, hein? Ouais. Il y a top, quand même. Quand même. J'imagine que je voudrais pas être ici en plein été. Nah. Fait que là, on est au top de la Tour Eiffel. On peut pas être plus haut que ça. C'est vraiment en haut, en haut. Et en haut, en haut, il y a un endroit où il y a du champagne. On s'est pris un petit rosé. Bon. 25 euros du verre. Mais on s'en fout. Pour notre voyage, là, c'est notre voyage. Alors, voilà. Et en bas, on voit la maison de la radio où j'ai travaillé pendant 2 mois. On voit... Et là-bas, ben moi, je sais ce que c'est. C'est comme en haut du Chignon à Mablon. Ouais, ça, c'est la maison de la radio. Montmartre, chérie? Oui, je suis à Montmartre. Avec mes petits yeux un petit peu malades, je suis à Montmartre. Est-ce que tu vois ça, chérie? Oui. Ça, c'est Radio France. Fait que je sais pas pourquoi je parle avec un accent français, mais il y a 33 ans, je travaillais là, moi. Je passais par ce côté-là, en arrière. C'est en quelle année, ça? En 1990. Quel âge? J'avais 10 ans, Carlis. Ouais. Alors, j'ai passé presque 2 mois à Radio France Internationale, RFI. Là. Alors, on y va. On chill au Jardin du Luxembourg. Tu viens manger au bouillon Chartier à Paris et ben ça, c'est la facture. Madame! Fait que ça ici, c'était notre commande. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a commandé. On n'a rien compris. C'est combien? 55? 55,60 €, chérie. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que laisse faire les plateaux. Tout est calculé. Non, on va se coucher.